propose que l'on regarde d'abord les accords dans un premier temps, et puis ensuite nous verrons le rythme et la structure du morceau. Nous verrons aussi, avec le rythme, bien sûr, la main droite. Donc là, je fais un focus sur la main gauche pour vous montrer les accords. Il y en a peut-être certains que vous ne connaissez pas encore, donc c'est l'occasion aussi de les apprendre. Alors, le premier, c'est un Ré mineur 7. On a le Ré à vide. Deuxième doigt ici sur la corde de sol, donc ça me fait la note là. Et puis petit barré avec le premier doigt sur la première case, sur les cordes de si et mi aigu. Donc on a do et fa. Donc ré, la, do, fa. Ça, c'est le Ré mineur 7. Le deuxième accord, c'est un Ré mineur 7, mais avec une basse de sol. Donc on va venir chercher le sol ici. Alors attention, c'est pas évident parce qu'il faut que. Voyez, il faut que le la, le do et le ré et le fa, pardon, continuent à sonner ici. Donc. Si vous faites comme ça, par exemple, vous voyez, c'est pas bon, il faut vraiment faire le pont avec les doigts. Donc je répète, Ré mineur 7, Ré mineur 7, basse sol. Alors ensuite, on a un do majeur 7. Si on le suit, si vous voulez, sur la tablature, vu qu'on joue que la corde de la et puis les trois cordes sol, si, ré, on pourrait le faire comme ça. Sauf que un do majeur 7, on rajoute le mi ici. Donc là, même dans le morceau, si on ne le joue pas, c'est quand même conseillé de le faire, voyez, comme ceci directement. Ensuite, on a un Fa majeur 7, donc Fa la do mi. Alors attention, il faut que le mi aigu sonne si vous faites comme ça. Vous voyez, il faut bien faire le pont là aussi. 3, 2, 1, 0. Alors l'accord suivant, il est un petit peu plus compliqué, c'est un Si mineur 7 bémol 5. Alors si vous ne connaissez pas le Si mineur 7 bémol 5, c'est Sol majeur. Et puis après, on a un La mineur, pareil, un petit La mineur. Donc ça vient de celui-ci. 7, 5, 5, 5. Do, Sol bas si, La mineur. Ensuite, il répétera Si mineur 7, Mi 9. Ensuite, on aura Fa majeur 7. Ensuite, on aura un Do, mais un Do avec la basse de Mi, donc on peut le faire comme ça. Et puis Ré mineur 7. Et La mineur. Enfin, dans la dernière partie du morceau, on aura un Mi mineur 7. Alors, Mi mineur 7, c'est comme un Mi mineur, mais on enlève le petit doigt ici. Donc ça fait 7, 9, 7, 8, 7. Puis on retrouve La mineur, Mi mineur, La mineur, Ré 9, Fa 9, Mi 7 dièse 9. Et on a vu, comme ceci, tous les accords du morceau. Alors, je vous conseille de les travailler un par un, surtout si vous ne les connaissez pas. Et encore une fois, quand on apprend un accord, apprenez la position. Apprenez son nom, et encore mieux, apprenez les notes qui le constituent. Moi, quand je fais un Ré mineur 7, je sais que j'ai Ré, La, Do, Fa. Sol, La, Do, Fa. Do, Sol, Si, Mi, Fa, La, Do, Mi, Si, La, Ré, Fa, Mi, Sol, dièse, Si, Mi, La mineur. Regardons maintenant la main droite et donc le rythme, car je vous rappelle que le rythme est fait par la main droite. Alors, on est ici en 12-8. 12-8, c'est ternaire, c'est 4 temps par mesure, mais c'est la valeur, si vous voulez, la valeur, c'est la croche.
Donc, il nous faut trois croches pour faire un temps. Donc, une croche vaut un tiers de temps. Ben oui. Une croche, un tiers. Deuxième croche, on a le deuxième tiers. Et troisième croche, trois tiers, ça fait un. Et comment on compte? Généralement, je compte comme ça. 1, 1, 1 pour le premier temps, puis 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Donc pour le Ré mineur 7, on va avoir à la main droite, on part de la corde de Ré et on va aller jusqu'à la corde de Mi aigu. Et on va avoir donc des croches, ça va faire 1, 1, 1. Et puis ici, sur le deuxième temps, on a le 1 ici, mais on va le faire en retour. On va faire aller, 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 retour. Retour, retour. Allez, allez, allez. Retour, retour, retour. Et j'ai bien 1, 1, 1, 2, 2, 2. Puis le Ré mineur 7 bas sol, ça va être la même chose, sauf qu'on a le premier allez sur la corde de mi grave. Donc ça va faire 3, 3, 3, 4, 4, 4. Encore 3, 3, 3, 4. Donc le but du jeu, c'est de ne pas se tromper de corde. Alors au départ, vous pouvez regarder votre main droite, mais après, il est conseillé de ne plus la regarder. Alors ce que je vous conseille, c'est d'avoir comme un point d'ancrage, vous voyez ici, là, de ne pas avoir le poignet, vous voyez, en l'air comme ça, parce que là, on est beaucoup moins précis d'avoir un point d'ancrage et du coup. Et après, la majorité du morceau, c'est comme ceci. Pour le Do majeur 7, on va avoir aller, 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 puis retour, retour, retour. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Pour le Fa majeur 7, pareil. Aller, 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 retour, retour, retour. 3, 3, 3, 4, 4, 4. Pour le Si mineur 7 bémol 5, eh bien on va avoir aller, 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 retour, retour, retour. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Pour le Mi, on va avoir aller, 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 retour, retour. Attention, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Toute la mesure, 3, 3, 3, 4, Mi 7 en accord. 3, 3, 3, 4, 4, La mineur, 2, Mi mineur, 3, 3, 4, La mineur, Ré 9, Fa 9, 2, Mi 7 dièse 9, 4, La mineur, 3, 3, 3, on repart au début de l'accolade. Et à la place du petit 1, on fera le petit 2. Ré 9, 2,
2, 3, 4, petit 2, 1, 2, 3, 4, si mineur 7, 2, mi 9, do, sol bas si, la mineur, si mineur 7, mi 9, fa majeur 7, mi, ré, la mineur. Alors ensuite, on repart au S, donc je ne vais pas le refaire, tac, 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 on va jusqu'à tout coda, et tout coda, on saute à la coda, où on a 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, la mineur, mi mineur, la mineur, ré 9, fa 9, toute la mesure, 2, 3, 4, mi 7 dièse 9, 2, 3, 4, et on repart. Etc. Etc. Alors, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est de travailler les accords d'abord, l'enchaînement des accords, un par un, le nom des accords, les positions d'accords, puis la main droite au niveau du rythme et des allers-retours, et enfin de jouer avec la structure du morceau, et puis pour terminer, eh bien, à essayer avec le playback à vitesse réelle. Là, il faut quand même un petit peu de travail, un petit peu d'entraînement.